grande revendication, vous le savez, c'est les arrêtés ministériels. Je pense que durant ces trois jours-là, il est important qu'on envoie un message clair à l'employeur, à la direction générale du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, au gouvernement Legault, faut qu'il cesse de gérer le réseau de la santé à coup d'arrêtés ministériels. Les deux grandes revendications, vous le savez, pour nos professionnels et techniciens en milieu hospitalier, il n'y en a aucun qui a accès à la prime du 1 000 $ pour l'assiduité. C'est inacceptable. On a des exemples concrets dans nos membres. Les techniciens en imagerie médicale quotidiennement sont au front contre la COVID pour faire du dépistage des imageries pulmonaires, puis ces gens-là ne sont pas reconnus. Ils n'ont même pas accès aux 8 % sur leur département. La deuxième grande ligne directrice, vous le savez, ça touche l'ensemble des travailleurs du réseau, c'est les vacances estivales. Là, vous le savez, ça va mal. Au CIUSSS du Nord, aujourd'hui, c'est sorti la note de service. Pour les professionnels de la catégorie 4, les gens vont avoir accès à l'ensemble de leurs vacances estivales. Il n'est pas question que l'employeur, il n'est pas question que le gouvernement Legault vienne jouer dans nos vacances estivales. J'espère que c'est clair. Il y avait une pénurie de personnel dans le réseau de la santé, dû à plein de choses, aux mauvaises conditions de travail, à la méga-fusion du ministre Barrette. C'est pas vrai qu'on va utiliser les arrêtés ministériels pour venir contrer les problèmes du passé. Écoutez, je prendrai le mot de la fin pour vous remercier encore une fois d'être sorti tout le monde. Je pense que la chose qui est importante de retenir aujourd'hui, c'est que en ces temps de crise, on n'a jamais été aussi solidaires. Il n'y a pas de question de syndicats, il n'y a pas de question. Je pense que tous les groupes de soutien doivent se mettre ensemble pour représenter les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé. Comme le disait mon collègue de la CSN, Marco Conati, cet après-midi à 1 h 30, on a une rencontre avec M. Lemieux. On vous garantit que les trois syndicats, on va se mettre ensemble. On va vous donner le maximum de vacances possible cet été. Merci tout le monde!